Omo wale, omo wale, gousu, I see you. Merci, merci, merci. Greetings, greetings, peace, 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 my brother. Merci d'être là. Alors, nous allons amener euh, en premier Alice Ntsabimana, qui est l'auteur de ce livre Résilience. Euh, Alice Ntsamimana, merci d'avoir écrit ce livre que j'ai lu de couverture en couverture et que j'ai vraiment apprécié. Et que pour moi, oh là là, pour moi, c'est monumental. Je pense que vraiment, je vous ai envoyé un message là-dessus parce que ça m'a réveillé, ça m'a conscientisé. Euh, parce que moi, dans ma tête, j'étais là. Oh! ça là vraiment c'est les enfants du côté du pouvoir mais est-ce que même ils ont vécu quoi que ce soit est-ce que même ils ont vécu des choses je, vraiment je me disais je me suis vraiment trouvé je me dis ah oh, je vais même peut-être même te demander pardon parce que vraiment la compassion là c'était vraiment au niveau de zéro parce que je me disais que non, nah, les gens là ils n'ont rien vécu n'ont rien vécu man donc euh, en lisant vraiment votre livre, j'ai dit wow, 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 wow. wow. Euh, ouais, c'est une façon vraiment de cultiver la, la compassion. Je pense que c'est vraiment important pour euh, les lecteurs, euh, surtout ceux qui pensaient comme moi que ah, ça, c'est les gens du pouvoir, ils n'ont rien vécu. Euh, S'ils osent lire votre livre, ils vont euh, avoir de la compassion aussi et trouver que euh, vous faites partie du peuple qui a vécu et survécu des choses et que vraiment euh, votre côté de l'histoire aussi euh, mérite d'être euh, entendu, mérite d'être entendu parce qu'il y a beaucoup de leçons de vie euh, dedans. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, euh, votre père, euh, je suis en train de lire sur euh, la, la couverture, et puis vous avez une magnifique photo de famille euh, derrière la couverture. Et puis il y a votre sœur aussi, Yvonne, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et euh, votre père était euh, connu euh, au Rwanda, très connu et très aimé d'ailleurs. Et il était le général-major Deo Gracias. Un sabimana qui était surnommé Kastar euh, et il était le chef d'état-major des forces armées rwandaises euh, et puis il fait partie euh, des gens qui ont été euh, assassinés, euh, qui ont trouvé la mort le 6 avril 94 euh, et ça c'est l'attentat qui a donc déclenché euh, un génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et alors, vous nous racontez dans ce livre comment vous avez vécu et survécu tout ça. Et c'est hallucinant, quoi. Moi, je me disais, vous n'avez rien vécu, mais. Wouh, 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 wouh. Alors, euh, commençons par les belles, les, la belle époque. Commençons par la belle époque avant que la, la tragédie arrive. Euh, commençons par la belle époque et commençons par une anecdote que j'ai trouvé ça vraiment très marrant. C'est quand en tant que petite fille vous êtes allée visiter euh, Kadhafi. <laughs> Raconte nous ça un peu. Et puis euh, donc toi tu es la fille du général, tu ne sais absolument pas ce qui se passe. Et puis un jour ton père te dit allons visiter. Un homme, et puis plus tard, tu t'en rends compte que c'est Kadhafi. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Mm -hmm. Mais euh, tout d'abord, euh, bonsoir Louise et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent euh, au Canada, euh, Murguanda, les amis, la famille. Euh, donc bonsoir à tout le monde. Euh, merci beaucoup pour euh, l'invitation, donc euh, pour me permettre de parler. De mon livre, euh, qui est, comme tu l'as dit, Louise, une, une histoire euh, familiale. Euh, par rapport à cette anecdote euh, dont tu fais référence, justement, euh, il faut dire qu'à l'époque, je, je n'étais qu'une petite fille. Je pense que j'avais euh, peut-être huit ans. Donc, on habitait en Libye où euh, papa était attaché militaire à l'ambassade. Euh, donc pour, euh, donc pour le Rwanda à, à Tripoli. Et euh, ce jour-là, je pense que maman était en déplacement. Et euh, pendant l'année, normalement, nous habitions euh, soit avec euh, ma tante Agnès ou euh, la, la, la nièce de mon papa. Et ce jour-là, il y avait personne. Donc euh, j'étais obligée de l'accompagner. Il m'avait dit mets ta petite robe. Euh, oui, avec lui, c'était simple, une robe bleue avec euh, des chaussettes, euh, des petites chaussettes blanches, euh, des ballerines. Donc, vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'il m'avait briefé. Il m'avait dit, euh, bon, déjà à la maison, avec un père militaire, euh, Louise, je, je dois te dire que papa était très gentil, très souple, mais il ne devait pas répéter deux fois les choses. On marchait à l'ordre. Donc, c'était robe bleue, chaussettes blanches et petites ballerines. On va aller voir un hôte très important. Et la consigne que tous les parents euh, rwandais, africains, je pense, euh, euh, qui donnent à leurs enfants, c'était Ogombakui, tonda, nunes, Donc ça veut dire Ne me fais pas honte, on arrive, tu ne demandes rien tu attends qu'on te propose à boire, si on te propose. Si on ne te propose pas, tu restes tranquille. Et donc, on est entré dans une très, très grande demeure. Et euh, donc, moi, je, je, je ne savais pas, hein, j'étais un enfant. Et euh, on a, je crois qu'on a, on a roulé euh, quelques minutes pour arriver à la résidence. Euh, les, je me souviens très, très bien des fauteuils qui étaient très soyeux. Euh, une dame qui nous a servi le thé à la, à la marocaine avec des gâteaux, mais là, j'avais même pas osé toucher. Et puis quelques minutes après, il y a un monsieur. Euh, on nous a fait entrer dans une autre pièce où papa euh, s'est incliné et a fait un signe euh, de respect euh, militaire euh, pour saluer. Euh, et je... tout ce que je me souviens, c'est qu'il avait dit que c'était un colonel, colonel Kadhafi. Et donc c'est évidemment plus tard, en étant plus grande, que j'ai compris que c'était euh, le colonel Mouammar Kadhafi. Wow. Voilà. <laughs> Wow, en tout cas, en tout cas, c'est euh, c'est intéressant comme euh, anecdote. Est-ce que alors, est-ce que toi, tu as salué Kadhafi Est-ce que il t'a dit quoi que ce soit euh... Ou bien c'était vraiment euh, cérémonial Honnêtement, je, je ne me souviens pas. La seule chose que je, ne me, sou... je me souviens, c'est que c'est qu'après qu'il soit entré que j'ai pu toucher au petit gâteau euh, qui était sur le plateau. Donc, euh, il a peut-être dû dire bonjour mademoiselle, mais je ne me, je me souviens pas. Je me souviens juste des, des petits gâteaux qui étaient très bons. Après wow. ça, euh, la, la conversation qui n'a pas duré longtemps, je, je, je crois. Et puis, on est reparti. Wow. Donc, je, je ne pourrais même pas dire... Quel était le contenu, euh, s'il si parlait français ou, ou, ou anglais, ça je ne me souviens vraiment pas. Waouh, mmh, wow, oh là là, la belle époque quand on est enfant et quand on, on, on ne sait rien, qu'on n'a rien compris. Exactement. Ouais, et, et puis euh, un jour alors vient euh, le réveil euh, brutal, le réveil brutal, euh, à savoir l'événement euh, du. Euh, du, euh, du 6 avril euh, que vous avez appris euh, dans la nuit ou le matin du 7 avril. Et puis euh, en lisant euh, votre livre, alors j'ai lu euh, comment votre père, qui était lui donc un général-major de l'armée, est parti à la dernière minute, à la toute dernière minute. Euh, il ne devait même pas faire partie de, de la mission en soi. Euh, mais à la dernière minute, il a été convoqué pour accompagner le président et donc il est allé dans, dans le même avion. Et puis, euh, alors, vous racontez dans le livre comment euh, il avait frappé à votre porte pour vous dire qu'il partait. Et puis, euh, que... Racontez-nous par rapport à ça. Est-ce que vous avez des regrets? Par rapport à ça, euh, et, et, et qu'est-ce que vous en pensez là euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus euh, bon, déjà, je reviens un tout petit peu en arrière pour corriger. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai. Il a, en tout cas, dans, dans mes souvenirs de, de, de ce que j'avais, j'avais quand même 17 ans à l'époque. Euh, papa avait eu un accident de voiture quelques quelques mois auparavant, euh, qu'il avait laissé légèrement handicapé. Euh, et donc, je dis cela parce que euh, le 7 avril, il devait prendre l'avion avec maman euh, pour venir en Belgique où il devait avoir des examens médicaux supplémentaires. Mais euh, la veille euh, du 6 avril, donc on était le 5, euh, il m'avait dit, euh, bon, j'étais la... la, la la plus grande, euh, ma grande soeur et mon grand frère étudiaient à l'étranger. Donc, il m'avait dit Alice, euh, je dois partir, euh, j'ai une mission de dernière minute, euh, je dois accompagner le président. Euh, C'est pas sûr, je n'ai pas encore dit à maman, mais euh, attendons d'être sûre, sinon elle va râler. Et elle a vraiment râlé. <laughs> Donc euh, ça c'était le 5, et en effet le 5 au soir, pendant qu'on était à table, il a reçu un coup de fil qui euh, lui confirmait l'ordre de mission et qui devait partir le lendemain matin, très tôt. Donc là, on s'est activé, euh, il m'a juste demandé d'aller euh, prévenir le chauffeur, les gardes du corps qui devaient partir le matin. Et euh, le regret euh, que je mentionne dans le livre, euh, c'est le fait que je n'ai pas, je ne lui ai pas dit au revoir. Euh, donc cette nuit-là, j'étais, euh, je suis dans, de nature euh, assez organisée et à l'époque, c'est pas comme maintenant. On a les réveils, on a, enfin, on, a, on peut mettre trois, quatre réveils pour ne pas euh, manquer, manquer de se réveiller ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, je ne sais même plus, je, je, je sais même plus. Euh, je crois que c'était les, les petits réveils radio. Et comme chaque fois qu'il y a un événement ou euh, ou un, un quelque chose, euh, un programme important, euh, je dors mal parce que je me dis, il oh, il faut pas que je manque l'heure, justement. Et donc, j'avais très, très mal dormi et je m'étais réveillée. Je pense que papa devait partir vers euh, 6-7 heures du matin. C'était vraiment très tôt. Et comme j'avais mal dormi, je m'étais réveillée vers 5h30. Et, et là, j'étais allée... Euh, euh, dire au domestique, de, enfin comme s'il ne savait pas, tout, tout le monde savait ce qu'il devait faire, mais j'avais dit au domestique, euh, va dire au chauffeur qui s'appelait Baudouin euh, de ne pas oublier l'heure euh, de, de s'apprêter. Et puis euh, le domestique avait terminé de, de repasser encore la chemise de papa. Et je suis allée me recoucher parce que je me suis dit, bon, bah, voilà, le, le programme, il est, il est en marche. Et papa s'est réveillé, euh, j'ai entendu ses pas euh, dans le couloir. Et donc, le regret que je dis dans le livre, c'est qu'il est venu toquer à ma porte pour dire euh, au revoir. Et que euh, c'est comme s'il y a une force qui m'avait retenue dans le lit. Euh, et j'ai dit, bah, papa, euh, au revoir, à demain, non, à ce soir plutôt. Et là, après, je l'ai entendu avec maman. Euh, euh, je pense qu'il faisait le. le, le ben, ils allaient prendre le café et puis j'ai entendu c'est pas et il a dit ok ma ben, bonne journée à hein, ce soir donc le regret que j'ai c'est que euh, il partait le matin travailler je pensais le revoir et euh, si j'avais su que c'était la dernière fois que, que je le verrais ben, je me serais donné la peine de me lever lui dire au revoir euh, et lui dire tout ce qu'une fille peut dire à son père à ce moment là mmh. Ouais, désolé pour ça, euh, mais au moins donc euh, vous lui avez rendu un très bel hommage dans ce livre et vraiment on découvre on découvre votre famille et la personne euh, dans dans vos écrits. Alors euh, une des choses qui m'a beaucoup touchée, interpellée dans dans le livre par rapport donc à la personne de votre père, euh, c'est euh, le fait qu'il était très, très dérangé euh, et qu'il vous a dit que le plus dur quand il était militaire et quand il allait à la guerre, c'était de se retrouver en face des enfants soldats. Euh, et, et que lui, pour lui, c'était euh, qu'arrêter la guerre, c'était euh, la meilleure euh, des solutions. Donc euh, dites-nous un peu donc, euh, c'était quoi sa philosophie? parce que c'est un homme militaire, il est là, il défend le pays et puis il est surpris et bouleversé que face à lui, il a, il a des enfants, il doit se battre contre une armée qui utilise aussi euh, des enfants euh, qui mettent des enfants même devant eux comme euh, boucliers. Euh, qu'est-ce qu'il qu qu en disait et qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que donc vous en avez gardé en, en mémoire Ça doit être quelque chose qui vous a marqué, vous, euh, vous l'avez retenu, vous l'avez partagé dans le livre Alors Louise, donc comme vous le savez, c'est un livre familial où euh, j'ai regroupé euh, comment on a tous, euh, donc mes frères et moi, connu papa et euh, les discussions qu'on a pu tenir. Donc cette partie sur les enfants soldats. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris euh, de mon grand frère maurice qui était euh, l'aîné à ce moment-là et qui parlait peut-être un peu plus euh, en profondeur avec papa euh, déjà parce que c'était un garçon et puis en plus parce que c'était le plus mature quelque part et donc cette, cette problématique des enfants soldats c'est après et même aujourd'hui d'ailleurs en regardant des films euh, je pense que c'est pas euh, comment dire, c'est une problématique qui a dans beaucoup d'armées, euh, en tout cas africaines, européennes, ça je ne sais pas, mais en tout cas africaines. Et, euh, et ça, Maurice en parlant, donc il a dit que c'est quelque chose qui l'a bouleversé. Maintenant, pour dire la, ce que moi je retenais euh, de, de, de papa et de sa vision de la guerre, parce que euh, j'avais 17 ans et j'étais quand même assez curieuse et j'aimais bien lui poser des questions, c'était euh, par rapport à la pérennité et par rapport à la paix. Euh, D'ailleurs, il blaguait souvent en disant :« Bah, les militaires, ils étaient retraités très vite. » Il disait :« Moi, j'ai, quand il est mort, il avait que 49 ans. » Il disait :« Moi, à 50 ans, je veux prendre ma retraite et euh, je vais euh, aller cultiver euh, mes terres et commencer à surenchérir pour avoir euh, une dot euh, plus élevée pour mes filles. » Donc, c'était une blague en, en aparté. Mais quand même, euh, quand je lui demandais, euh, par exemple, quand il y a eu la guerre en 1990 et que je lui demandais, mais c'est qui euh, euh, le FPR C'est qui Ingenzi, euh, Ingrotani Parce que c'était le terme euh, euh, que s'était donné l'armée euh, le, 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 patriotique rwandaise. Parce qu'au début, naïvement, on pensait que c'était euh, comme un film de science-fiction. Mais à la fin, quand, surtout quand il parlait du processus euh, de paix. Euh, qui était euh, engagé entre l'armée rwandaise, entre le gouvernement rwandais et euh, le Front patriotique rwandais, euh, je me souviens qu'il disait toujours que la paix coûte moins cher que la guerre. Parce que dans la guerre, il n'y a, a, a pas de gagnant, tout le monde est perdant. Et surtout, quelque chose qui me vient en mémoire, et c'est aussi quand je lui posais la différence entre les Hutus et les Tutsis, il disait surtout qu'on se bat contre nos frères. Donc, nous sommes frères. Les Rwandais, le Rwanda, c'est les Hutus, les Tutsis, les Tois, On est habité à vivre, on est amené à vivre ensemble, on vivra ensemble. Et, euh, et donc, c est, c est, c est, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la question du coût de la guerre par rapport à la paix. Mmh. Donc, euh, lui, c'est un militaire qui voulait la paix. Mmh. En tout cas, de, de, à, moi que, <laughs> à moi qui tenais à un discours, mais bon, maintenant que je suis mère de famille mmh. ou quand je vois mon mari qui tient le même discours, je ne pense pas euh, qu'on puisse euh, être différent en intimité que par rapport aux valeurs qu'on représente. Et, et comme euh, tu l'as dit, euh, on a recueilli pas mal de témoignages, que ce soit des gens de la famille, des amis, des militaires qui l'ont connu. Et je pense que. Euh, oui, parfois, on peut lire des choses sur les réseaux sociaux, mais euh, mes écrits, et, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on s'est vraiment engagé dans ce, dans ce projet, c'est parce qu'on se retrouve dans les valeurs euh, de paix euh, et d'amour et de, et de fraternité que notre père nous a inculquées et apportées. Et donc, je pense euh, vraiment euh, au plus profond de moi que papa était un homme de paix et qui voulait la paix. D'ailleurs... Euh, euh, lui du côté militaire, euh, ce que je me souviens de, du processus de paix, c'était euh, que les deux armées, donc l'armée rwandaise et l'armée euh, du Front patriotique rwandais, euh, devraient former une S1 et une unique armée, parce qu'il disait toujours que Monsieur Paul Kagame devait être son adjoint. Donc, euh, je pense que c'était assez clair. Wow. Um... Est-ce que vous avez déjà entendu euh, des rumeurs hein, par rapport à l'actualité qui se passe euh, actuellement? On entend en Afrique beaucoup des histoires de coups d'État. Est-ce euh, que vous avez déjà entendu une rumeur comme quoi euh, la raison pour laquelle euh, votre père, donc le général Nsalimana, avait voyagé avec le président, euh, parce que euh, d'habitude pour la sécurité du pays, le président ne devrait pas voyager avec un, un homme aussi important, euh, qui devrait voyager séparément. Euh, mais il y a des Rwandais qui disent que l'une des raisons pour laquelle euh, ils avaient voyagé ensemble, c'est parce que le président avait avait du respect pour lui, mais avait aussi peur de lui et avait peur de subir un coup d'État de sa part, étant donné que c'était un militaire qui était respecté et aimé par les autres militaires et que donc le président avait peur de subir un coup d'État de sa part et que c'est pour cela qu'il a insisté pour euh, voyager euh, avec lui. Ça, c'est une rumeur. Ensuite, il y a un, une autre rumeur aussi qui dit que euh, le FPR, sachant pertinemment le plan qu'ils avaient euh, d'assassiner le président, euh, savait que euh, la personne qui allait être efficace à défendre le pays en, ou, au cas où le président serait assassiné, ça serait euh, le général euh, Nsabimana et donc le FPR a voulu aussi l'éliminer en même temps que le président parce qu'il savait euh, très bien que c'était un général qui était aimé et respecté et qui allait euh, pouvoir résister à l'avancée du FPR en, au cas où euh, le président ne serait pas là. Alors, qu'est-ce qui en est selon vous Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de choses euh, Et qu'est-ce que vous en dites mm -hmm. Oui, bien sûr que je, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas entendu parce que j'aime bien... Euh, de temps en temps suivre euh, l'actualité les réseaux pour euh, voir ce qui se dit donc j'ai très très bien entendu ces rumeurs euh, maintenant moi en tant que enfant à 17 ans et ou, ou dans la famille euh, ce n'est pas quelque chose que, que évidemment même si c'était le cas et que papa le pensait c'est pas quelque chose qu'il allait partager avec nous maintenant ce que je crois profondément en lisant euh, les notes de papa euh, en tout cas du côté stratégie militaire et du côté euh, Envie euh, de, de comment l'armée le, le, allait évoluer, euh, c'est que euh, et ça aussi c'est une troisième rumeur si je, si je peux dire que, que j'ai déjà lu euh, mais là évidemment je parle de ma conviction euh, c'est que euh, je ne pense que de son vivant il n'aurait pas euh, autorisé les massacres parce que il ne voulait pas euh, il ne voulait pas. Et donc la rumeur que la troisième rumeur dont je parle, c'est euh, on parle souvent de ses listes, euh, euh, donc des listes qu'il avait ou de ou, euh, comment dire de d'un de, plan qui était élaboré. Euh, bon, je je n'étais pas dans l'armée, mais euh, par rapport à ses convictions, par rapport à ses notes personnelles que nous avons publiées, donc là je parle vraiment d'éléments matériels et factuels. Euh, je ne pense pas que de son vivant, il aurait laissé euh, euh, les gens massacrés. Euh, mais sinon, voilà, les rumeurs, bien sûr que je les ai entendues comme, comme tout le monde. Mmh, sûr. Mmh. Et puis alors, euh, dans votre livre, vous témoignez aussi, vous êtes un genre de témoin aussi euh, euh, qui témoigne euh, du fait que le génocide contre les Tutsis est arrivé au Rwanda en 1994. Et d'ailleurs, vous avez un épisode où vous-même, Personnellement, vous êtes visé, vous êtes genre euh, visé, arrêté par les militaires et qui veulent vous tuer, quoi. Et, euh, et, 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 et racontez-nous cet, cet incident. Et parce que c'est vraiment, euh, quand j'ai lu ça, j'étais là, j'étais là, wow, 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 wow. Euh, mais en même temps, j'étais là. Euh, c'est grave ce qui était en train de vous arriver, mais ça montre aussi la, la, la grandeur et la, la gravité de ce qui arrivait dans le pays au reste de la population aussi, mais vous en êtes témoin aussi. Euh, mais en même temps, vous venez aussi de témoigner donc de, du fameux génocide contre les Tutsi euh, du Rwanda en 1994. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire brièvement euh, sur cet incident et qu'est-ce que vous en avez gardé? C'est euh, qu -ce quoi la leçon que vous avez retenue euh, et puis vous l'avez soulignée dans votre livre, évidemment. Mm -hmm. euh, donc, pour raconter brièvement cet incident, euh, on était en juin euh, 1994 et euh, comme beaucoup de Rwandais qui ont essayé de fuir, on avait déjà fui euh, vers... Euh, on s'était retrouvé d'abord à Bujumbura, au Burundi. Ensuite, à Bukavu. Et euh, il faut dire qu'on est parti, comme tout le monde, précipitamment au milieu des massacres et euh, on ne pensait pas qu'on partait définitivement. Et surtout, il n'y avait pas de clarté par rapport à la situation au Rwanda. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Nous étions euh, hébergés à Bukavu chez le gouverneur. Euh, 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 de, de, de Bukavu et là, euh, à un moment, on a pu entrer en contact avec la famille qui était restée au Rwanda. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que, euh, à un moment donné, on a traversé la frontière donc de Bukavu à Kigongo, qui, euh, qui sont vraiment deux villes côte à côte. Et en, en rentrant, parce qu'on était partis précipitamment, on n'avait vraiment rien du tout, on n'avait qu'un habit sur nous. Et, euh, et, et là, on avait eu l'opportunité de pouvoir rencontrer un membre de la famille, donc le, le frère de maman, qui euh, nous avait apporté une valise avec euh, quelques habits, des livres, enfin, bref, des effets personnels qu'on n'avait pas pu prendre. Donc on s'était retrouvés dans un hôtel à, 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 à Tiangougou. Rwanda. et au moment de rentrer euh, de Tiangougou pour retraverser la frontière vers Bukavu, on est tombé sur un barrage euh, des miliciens. Donc c'était pas des militaires, c'était un, un barrage des miliciens et euh, donc ils avaient, euh, euh, ils avaient des machettes. Ils avaient des machettes. Il y avait du sang. Il y avait euh, il y avait des groupes de personnes qui étaient sur le côté. Donc je n'oublierai jamais le, leur visage euh, euh, apeuré. E... É... Euh, tout de suite, ils nous ont demandé de, 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 de sortir. On était, dans un, on était dans un véhicule, on appelait ça des combis à l'époque, des, des espèces de grosses voitures où on était. Donc, il y avait moi, ma mère, mes petites sœurs, il y avait deux militaires en civil, il y avait un chauffeur. Et euh, à ce moment-là, on a vu justement donc, ces personnes, euh, ces miliciens qui euh, longeaient le véhicule avec des machettes et ils ont pointé vers moi en disant Wowe euh, Sohoka, donc ça veut dire toi sors de. De la voiture et Louise, je peux vous dire que euh, c'est ce que je mets dans le livre. C'est la dernière fois de ma vie où j'ai eu une peur euh, qui m'a tétanisée. Vraiment, j'ai cru que j'allais euh, faire pipi sur moi. C'est c'est vraiment viscéral. Donc, j'ai eu très, très peur. Et maman, non, non, elle va pas sortir. Maman, comme toutes les mamans rwandaises, euh, elle avait un peu d'argent dans son soutien-gorge. Elle a elle a, elle a sorti euh, cet argent pour donner, donc ça distribuer Et euh, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'on était en, vraiment en plein des de, de faciès hein, au Rwanda, au Fitininyaïmoukara. Donc tu as, tu as, tu as la gencive noire, euh, tu es tout si, tu as un peu clair, tu es tout si, tu as... Donc on était vraiment en plein des de faciès. On était aussi en face de personnes euh, qu'on ne pouvait pas raisonner. Et euh, ce qui m'a vraiment sauvée ce jour-là, c'est que on avait euh, des cartes d'enfants euh, des officiers. Euh, J'ai publié la photo dans le livre euh, qu'on a pu distribuer, euh, amener vers l'avant parce que le chauffeur avait dit :« Non, non, euh, ça c'est la fille de Castar. Oh, non, non, Castar, c'est pas, c'est pas la fille de Castar. Castar n'a pas d'enfant tout de suite. Sortez-la, là, sortez-la. » Puis bon, bref. Je, je pense que je suis sortie de mon corps. Maman a donné les billets. Et euh, ils nous ont donné euh, l'ordre de partir euh, très vite. Et euh, ce que je n'oublierai pas, il euh, y a deux choses que je n'oublierai pas c'est la peur qui m'avait tétanisé ce jour-là, et que depuis là, je pense que je ne crains que Dieu. Et, euh, et le visage apeuré de ces personnes, et euh, surtout euh, le fait qu'on ne pouvait rien pour eux, et que j'imagine le sort qui leur était réservé malheureusement après. Et la leçon, Louis, c'est que. Euh, tout ça pourquoi finalement? C'est des Rwandais qui tuaient des Rwandais et, euh, et pourquoi? Et je me je me demande encore aujourd'hui euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette euh, déshumanisation entre, entre frères euh, rwandais? Pourquoi? Mmh, mmh. Alors, merci vraiment d'avoir partagé euh, votre histoire. Um, alors, vous, personnellement, vous faites quoi Et vous voulez, euh, vous voulez arriver à quoi en, en, en écrivant euh, ce livre, en partageant euh, cette histoire Alors, en partageant cette histoire, je me suis déjà retrouvée dans quelques situations, honnêtement, où on racontait mon histoire alors que j'étais là. Et on racontait une fausse histoire. Et euh, j'avais le choix. Donc, soit je me tais, soit je, je raconte ma propre histoire. Euh, raconter cette histoire, c'est euh, quelque part exorciser les blessures du passé. C'est rendre hommage euh, à, à papa, euh, à tous les Rwandais qui ont, qui ont perdu euh, des êtres chers. C'est aussi un devoir de mémoire pour euh, les enfants parce que. Euh, L'histoire du Rwanda, elle a été lourde, euh, donc depuis des années, hein, ça n'a pas commencé qu'en 1994, mais ça fait partie de, 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 de notre histoire et euh, c'est un héritage que je voulais porter euh, pour, euh, pour les futures générations et aussi faire connaître, comme j'ai dit, euh, papa tel que nous l'avons connu euh, c'était euh, c'est vrai que en racontant cette histoire il euh, y a cette dimension euh, privée qui nous échappe mais euh, je pense que je me devais de raconter cette histoire donc mes frères et sœurs et moi et surtout euh, c'est vraiment un, un moyen de reconstruction euh, qui m'a permis de faire la paix et alors, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais? Parce que euh, vous m'avez demandé ce que je fais. Euh, je pense qu'une fois qu'on arrive à un certain âge, j'ai plus de 40 ans, euh, on se demande euh, quel est le but euh, de la vie. Donc, euh, évidemment, on travaille, on est mère de famille, on est. Euh, euh, donc, je, je suis tout ça. Mais quelque part, euh, j'ai toujours voulu faire quelque chose aussi pour, euh, pour la communauté. Et à mon petit niveau, euh, ce que je fais, donc je, suis, je travaille dans les ressources humaines, mais je suis aussi médiateur. Et ce que j'ai voulu faire, euh, et je sais que, voilà, moi je suis médiateur, il y a des politiciens, il y a, enfin, il y a vraiment de tout hein, dans, 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 les, dans les sociétés. Mais moi, à mon petit niveau, ce que j'essaye de faire, c'est de, euh, de euh, regrouper euh, les personnes. Et Hutu et Tutsi. Donc, même si on dit que les Hutu et les Tutsi n'existent, enfin, l'ethnie le, le, n'est pas importante en soi, mais on sait quand même qui est Hutu, qui est Tutsi, et ça n'a pas d'importance. On est Rwandais, on est africain avant tout. Mais euh, ce que je fais, c'est de regrouper ces personnes pour que les uns écoutent les histoires des autres. Euh, D'une autre perspective. Et euh, j'arrive à le faire de temps en temps. J'organise ce que j'ai appelé des cercles de résilience. Ce sont des cercles de dialogue euh, qui regroupent les Rwandais, les Hutus, les Tutsis, mais que j'ai aussi étendu à d'autres communautés et d'autres nationalités dans un but premier, Louise, de cultiver la paix euh, dans l'esprit ou mon nom. Euh, je suis parce que l'autre est. Et. Euh, donc voilà, je pourrais en parler un peu plus, mais c'est ce que je fais pour l'instant aussi. Et que je ah, en tout cas, merci parce que c'est vraiment, euh, euh, on en a besoin. On en a besoin euh, parce que les sociétés sont polarisées. Euh, les noirs, les blancs, les hutus, les tutsis, les riches, les pauvres. Euh, donc euh, quand on a une personne qui veut bien. <laughs> regrouper tout le monde pour essayer d'écouter leurs histoires c'est vraiment bien et puis euh, ce livre ça aide ça aide énormément euh, j'encourage les gens à l'acheter euh, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a demandé où est-ce qu'ils peuvent trouver le livre, j'ai mis le lien dans la description du show sur Youtube, il y a le lien direct, vous pouvez cliquer directement et le trouver sur euh, Amazon euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, quand tu dis que tu veux en, en, enseigner le, euh, cette culture d'humanité et de générosité. C'est ça le bon et le bon monde. Euh, L'humanité et la générosité et d'essayer aussi de voir euh, les gens qui ne sont pas nécessairement euh, de la même histoire, de la même lignée que nous, d'essayer vraiment de, 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 con, de connaître aussi leurs histoires et d'essayer aussi euh, de les comprendre. Donc, euh, on rappelle aux gens que vous avez un événement au Canada. Vous avez un événement, euh, c'est le 16 septembre, samedi oui, le le 16 septembre, euh, à Montréal. Est-ce que vous pouvez dire aux gens un peu sur cet événement? Et puis comme ça, après, on va passer en anglais parce que vous avez lancé aussi euh, la version anglaise de, de, de ce livre. Et vous avez un événement pour donc, le lancement de la version anglaise de, de ce livre qui s'appelle euh, « After All Was Lost ». Et puis donc, euh, dans la partie anglaise, on va avoir votre sœur Yvonne Samimana qui va parler de la version anglaise. Euh, mais pour, pour terminer la version, euh, le, le, la partie française, est-ce que vous pouvez nous parler du titre en anglais euh, Pourquoi vous avez choisi ce titre et, euh, et aussi le, le titre en français que j'aime bien, résilience. Ça, c'est vraiment quelque chose dont beaucoup de gens ont besoin parce qu'on traverse des choses et des choses et des choses et il nous faut euh, la résilience. Et puis, j'aimerais aussi que vous puissiez euh, dire un mot par rapport à votre maman. Vous avez dédié le livre à votre maman, euh, une maman euh, magnifique. Euh, qui vous a donc euh, élevé et soutenu euh, dans tout, euh, qui s'est retrouvé, euh, qui a perdu son mari si jeune, je n'arrive même pas à imaginer le cauchemar. Elle devait partir avec son mari, euh, et puis au lieu qu'il parte pour un petit break, euh, il est parti pour ne plus, re ne plus revenir. Donc, euh, c'est hallucinant ce que votre maman a dû euh, traverser, survivre et vous faire survivre tous euh, et arriver à ce point. Donc, pour terminer la partie en euh, français, euh, on parle de tout ça puis on bouge en anglais. Merci. Mm -hmm. Alors, en commençant par euh, maman, euh, et je suis contente parce que j'allais euh, terminer justement par elle. Euh, voilà, maman est une femme euh, forte, extraordinaire, exceptionnelle, et elle nous a porté un à un. Euh, elle a eu la grâce d'avoir 16 petits-enfants, donc euh, je pense qu'elle est, euh, est bénie. Et euh, que dire Maman, comme euh, toutes les mamans rwandaises, euh, africaines, euh, euh, est une maman déjà du temps de papa euh, qui avait, euh, j'ai envie de dire le, le, le mauvais rôle là hein, parce que, euh, donc quand un enfant est mal élevé, c'est l'enfant de la mère, mais euh, toutes les grâces sont récoltées grâce au papa. Donc maman, pour dire que c'était le, le, le ministre de l'intérieur, comme j'aime à dire. Euh, donc c'est elle qui s'occupait de toutes les affaires de la maison, qui euh, vraiment, qui, 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 qui nous supervisait, qui était le bras droit de, de papa. Et euh, c'est aujourd'hui que je suis maman, que je peux euh, comprendre les sacrifices qu'elle a endurés. Euh, elle n'avait que 43 ans en 1994. Elle avait euh, six enfants et du jour au lendemain, euh, elle s'est retrouvée, donc j'aime bien, tu parlais de, 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 comment dire, euh, de, de ces gens du pouvoir, mais bon, quoique à l'époque, avoir euh, des domestiques, avoir du personnel de maison, euh, ce n'était pas forcément réservé à une certaine élite, c'était tout le monde, mais quand même, se retrouver du jour au lendemain avec un statut épouse de mère de euh, six enfants euh, avec une résidence, avec euh, son business, avec euh, vraiment sa petite vie et surtout avec un avenir qui est quand même assez bien tracé et euh, de voir tout quitter du jour au lendemain en étant veuve, en ayant, en ayant six enfants et, euh, et, et donc on s'est vraiment retrouvé euh, à l'extérieur. Euh, elle a fait comme elle a pu. Euh, on, on a passé, on est passé par des moments qui étaient très difficiles où euh, où on n'avait rien, on, on devait aller euh, demander de l'aide euh, au CPAS, on habitait dans un logement social où, euh, grâce à l'éducation qu'elle nous a donnée, euh, on a pu euh, mes sœurs et moi euh, utiliser nos mains pour tresser, donc euh, on était vraiment euh, connu comme tresseuse pour se faire de l'argent de poche pour la soutenir, euh, tout recommencer à zéro, donc. Euh, ce livre lui a été dédié parce que euh, elle nous a apporté vraiment et je, je lui dis encore merci au nom de, de, de tous les tous mes frères et sœurs, mais je dis aussi merci à toutes ces femmes rwandaises qui ont été résilientes. Euh, en tant que médiatrice, euh, je vois beaucoup de, de, de situations où euh, les, les, les jeunes cadres ont dû tout recommencer à zéro. Et quelque part, qui s'est sacrifié C'est la femme rwandaise. Donc, la femme rwandaise a mis sa vie entre parenthèses. Elle a été faire des petites formations. Elle n'a pas hésité à retrousser, à retrousser. Donc, la femme rwandaise a retroussé les manches, allait faire du nettoyage pour faire vivre les enfants. Donc, merci, merci à toutes les femmes rwandaises. Et euh, donc, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, euh, pour revenir au titre. Euh, du livre, euh, donc résilience, ça va assez de soi. Euh, donc ça veut dire la capacité à faire face, à rebondir après des événements difficiles. Donc c'est ce que... On a essayé de faire. Dans le livre, on parle de la manière dont chacun s'est reconstruit. On met, on met vraiment des leçons de vie, que ce soit par la paix, par la prière. Yvonne va en parler, par, euh, par la persévérance. Donc, on, on donne quelques leçons de vie par lesquelles on est passé, surtout que, comme tous les Rwandais aussi, on n'a pas eu le temps de faire le deuil. On n'a jamais enterré papa. Euh, on n'a pas eu de justice. Donc, euh, tout ça, ce sont des choses qu'on a dû surmonter en tant qu'enfant. Mais qu'on a surmonté ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ce titre résilience. Maintenant, en anglais, euh, after all was lost. Euh, je dirais que c'est peut-être plus une stratégie, euh, euh, j'ai envie de dire commerciale, parce que euh, j'ai cru comprendre que resilience, euh, en anglais, c'est un terme un peu plus générique. Euh, et after all was lost, ça veut dire vraiment euh, littéralement après avoir tout perdu. Et, euh, et on a tout perdu, on est parti de zéro, on s'est reconstruit, on a rebâti et, euh, et on, on essaye toujours de, 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 de continuer parce que c'est un, un long chemin, c'est un long processus qui ne s'arrête pas. Et euh, on se soutient mutuellement pour, pour ne pas sombrer et pour euh, surtout... Euh, essayer de transmettre ces valeurs à, à, aux jeunes générations et surtout à des Rwandais encore qui, nous, qui, qui, euh, qui sont autour de nous parce que euh, malheureusement, euh, nous sommes beaucoup et beaucoup de Rwandais n'ont pas encore adressé leur traumatisme du passé. Voilà. Merci, merci, merci. C'est magnifique. Il y a tellement de commentaires. Je pense qu'il y a même des hommes là qui sont venus draguer là. Ils sont en train de te dire que tu es très belle, très jolie. Ils veulent connaître ton âge. On va rien leur dire. On va leur dire. Yo, elle est déjà mariée, les amis. <laughs> Courage à ta maman, Brigitte c'est qui dit. Euh... Premium vivere de Inde Philosophare qui dit merci Alice Savimana, ton, ton père était un homme charismatique, un homme de principe, un homme déterminé. Il était l'un des officiers qui avait compris des tromperies de l'Ingotaini, malheureusement. Um, et puis il y a Maridouz Bemba, oulala, on n'a pas pu enterrer euh, Castar. Ah oui, ça, ce sont des choses vraiment... Euh, que vous allez découvrir dans le livre. Je n'ai pas envie de tout vous dire. Euh, ce qui est dans le, dans le livre, vous allez, euh, vous allez tout lire et vous allez tout découvrir. Euh, mais c'est horrible euh, quand euh, ce que vous avez vécu euh, dans la nuit, dans le matin du 6 au 7 avril, je ne vais pas révéler aux gens. Mais vous avez raconté comment vous avez appris pour l'assassinat, la chute euh, de, de l'avion. Vous avez raconté comment vous êtes allé chez le président parce que l'avion est tombé chez le président. Euh, vous avez tout raconté et en plus, vous avez même mis les photos euh, les photos des corps, les photos de l'avion qui a été. Euh, euh, détruite, donc on va pas euh, y revenir ici, mais j'encourage les gens qui veulent le savoir à lire parce que vraiment ça a l'air d'un film, mais ce sont des choses que vous avez vécues et vous êtes des témoins directs de l'histoire. Ça là, ça fait partie de l'histoire rwandaise en fait. Au fait, euh, l'histoire que vous avez racontée, vous pensez que c'est l'histoire de votre famille? Mais ce n'est pas uniquement l'histoire de votre famille, c'est vraiment l'histoire rwandaise, c'est l'histoire de tout un pays, de tout un peuple, parce que ce qui s'est passé, euh, c'est quelque chose qui a bouleversé euh, tout un pays. Et puis, les choses que vous avez vécues aussi, ce sont des choses que les gens ont toujours voulu savoir. Comment est-ce que eux ils ont vécu ça? Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu ça? Donc, merci énormément d'avoir trouvé le temps d'avoir trouvé l'énergie, d'avoir eu cette résilience de vivre et de survivre et ensuite de « make some noise » comme Bongo disait là. <laughs> vous avez « make some noise » par rapport à votre propre histoire. Il faut « make some noise ». C'est vous-même en fait qui avez la responsabilité de « make some noise » pour votre propre histoire euh, et puis les autres aussi peuvent euh, « make some noise ». Alors, peut-être pas... si je peux euh, ajouter quelque chose, oui. euh, ce n'est pas tellement un besoin euh, égoïste de, 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 de nous mettre en avant ou de mettre notre histoire en avant, parce que ce que euh, j'apprécie dans les témoignages que je reçois anonymement de, 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 de personnes qui ont lu, et je, je remercie tout ce monde et merci encore, c'est que ce n'est pas, euh, pas que notre histoire, justement. Euh, les Rwandais euh, se reconnaissent dedans et euh, on a toujours euh, été élevés et vécu dans, dans cette certitude que euh, le, le sang ne, su, ne se superpose pas. Euh, donc, nous sommes tous Rwandais, euh, nous avons été dans la même galère. Euh, malheureusement, il y a des personnes qui ont, et, qui ont plus souffert que d'autres, hein, évidemment, qui ont, par exemple, des personnes qui ont perdu tout, tout leur, euh, toute leur famille, qui ont des familles entières décimées. mais euh, c'est notre histoire, et c'est vraiment une histoire commune. Euh, et, euh, et, 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 et j'encourage aussi vraiment toutes les, toutes les personnes, tous les rwandais rwandaises qui veulent euh, raconter leur histoire. c'est vraiment un magnifique travail d'exorciser les douleurs et surtout de laisser un héritage même mauvais ou quoi que ce soit à, aux générations suivantes oui ouais, il faut euh, c'est vraiment euh, de la documentation pour les générations suivantes et, et puis ça assure aussi que vous vous êtes capable de raconter votre histoire dans votre propre voix que personne d'autre ne vienne raconter votre propre histoire même si vous partez vous aurez déjà raconté votre... Euh, côté de l'histoire. Donc c'est vraiment c'est ça que je trouve monumental de votre part, c'est que vous racontez votre propre histoire et ça fait partie de l'histoire de tout un pays. Donc pour les gens, pour les historiens qui vont vouloir fouiller, vous aurez laissé votre propre voix, votre propre version on the record, you know. Alors, merci, merci énormément. Alors, on va passer en anglais et on va amener votre sœur qui va nous parler alors du euh, côté euh, anglais de, de la chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous voulez dire euh, avant qu'on passe, euh, qu'on clôture la partie française? Il y a tout à dire, mais j'espère je, je, que les gens, euh, après cela, achèteront le livre pour euh, en découvrir plus. Et euh, en aparté, je veux bien laisser les coordonnées, donc le mail, s'ils veulent nous écrire ou nous partager leur ressenti, qui sera évidemment bienvenu et répondu. Merci beaucoup. All right. All right, la famille. Et puis, euh, restez là. Donc, euh, on continue en anglais et en Kinyarwanda. Là, la famille merci merci oh. <laughs> all right my people we're moving into english my people resilience is the title in french after all was lost is the title in english all right get the book get the book <music>